Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Tex et aujourd'hui on se retrouve pour mon premier tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui nous allons apprendre à faire le petit bonhomme Android comme il y a sur mon fond d'écran. Donc je ne suis pas en live commentary. Donc voilà, nous allons apprendre à faire le petit bonhomme Android comme ceci. Alors pour ce, il vous faut Cinema 4D. Donc que je vais lancer dans quelques instants. Voilà, donc je vais faire plusieurs tutos je pense sur Cinema 4D. Donc comme vous voyez déjà sur ma chaîne, j'ai mis ma dernière introduction, donc l'introduction numéro 4. Et si on passe les 100 vues, ce qui n'est rien, eh ben je vous offre le tutoriel donc pour faire cette introduction. Donc voilà. Donc une fois que vous avez lancé Cinema 4D, ah ouais, ça c'est, en fait je vais vous montrer le fond d'écran, les plusieurs fonds d'écran que j'ai fait. Donc voilà, donc le petit bonhomme Android, hein, vous voyez. Après, donc je vous montrerai sur Cinema 4D. Donc voilà. Donc donc une fois que vous avez lancé votre Cinema 4D, on va créer le sol et le mur. Donc pour ça vous faites un sol, faites copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, vous avez un deuxième sol. Ensuite, vous allez prendre l'outil de rotation sur le sol 1 et vous restez appuyé sur Shift. Et vous voyez que ça fait donc 5 degrés par 5 degrés, ce qui est pratique pour faire un angle droit, comme un mur, un truc comme ça. Donc voilà, ensuite vous reprenez le deuxième outil, vous repoussez dans votre mur comme vous voulez. Donc après, on va commencer notre petit bonhomme là, parce que c'est à peu près ça le sujet. Donc vous créez un cylindre, vous le montez. Après, ce qu'il faut faire, c'est que vous avez le rayon là où je montre et vous le montez à 200. Voilà, donc ça fait le ventre du petit bonhomme Android. Donc voilà. Donc ce que je vous conseille, voilà, c'est de le monter pas mal parce qu'avec les pieds, c'est toujours mieux. Donc voilà, donc CTRL Z, j'ai fait une erreur. Alors ensuite, vous allez créer une sphère. Par contre, je vais vous donner un conseil. Donc voilà, ne bougez jamais votre cylindre de là où il est au début. Après, je vous expliquerai un petit truc pour pouvoir bouger carrément tout le bonhomme Android, mais là évitez, ne bougez pas le cylindre du centre parce que sinon vous allez galérer avec les sphères, les machins, la fusion. Donc bref, au début ne bougez pas. Donc voilà, vous avez créé votre sphère, vous la mettez à peu près vous mettez le centre de la sphère vous montez la sphère pour que ça fasse une tête, la tête du bonhomme Android. Donc voilà, là pour le rendu pour le moment ça donne rien. Donc voilà, ensuite vous faites une fusion. Donc la fusion, vous la mettez vers le centre de la sphère. Voilà, après l'intensité, vous la mettez à 0. Donc voilà, 0 pour que ça fasse bien la tête. Ensuite, j'ai oublié de préciser, pardon, vous mettez la fusion dans la sphère. Vous glissez votre fusion dans la sphère. Donc voilà, là vous avez quelque chose qui commence à ressembler un peu, vous avez donc le corps et la tête. Vous faites le petit moi au niveau de la sphère pour cacher votre fusion. Ensuite vous créez une capsule, donc la capsule qui va faire le premier pied. Donc vous la montez, vous la déplacez, vous la mettez plus petite. Vous la mettez plus petite après. Pardon pour le petit bug là, je viens de voir. Donc vous la mettez plus petite, vous pouvez monter votre cylindre pour que ça fasse des pieds à peu près jolis. Ensuite vous copiez-collez, donc vous faites le deuxième pied. Ensuite donc vous copiez-collez le premier pied que vous avez fait, vous le montez en haut et vous faites le premier bras. Ensuite vous le mettez comme à votre gré, comme vous voulez, bref. Et ensuite vous copiez-collez le premier bras pour le mettre sur le deuxième. Donc voilà.
Donc là, ça commence à rendre quelque chose. Ouais, donc je suis vraiment désolée hein, pour ce qui vient de se produire là, je ne comprends pas. Donc je commente pas en live parce que j'ai mes raisons. Un PC m'a lâché. Mais donc voilà. Donc après, vous prenez un objet neutre. Donc vous allez dans Objet, vous créez un objet neutre. Et vous mettez tout, donc toutes les capsules, les sphères, la fusion. Vous mettez tout dans cet objet neutre et du coup ça vous permet de déplacer directement votre bonhomme Android. Donc voilà, ensuite vous allez créer une autre capsule. Donc voilà. Et on va faire les antennes. Donc voilà, vous le rétrécissez par contre vachement parce que notre bonhomme Android, si vous allez sur internet, il n'a pas des grosses antennes. Donc voilà, donc au début il y a une mono-antenne. Donc voilà. Pour le moment, ça ressemble à rien. Un télétubbies à la rigueur. Je sais pas si ça existe encore. Donc voilà. Donc après, vous allez prendre l'outil de rotation. Vous allez appuyer sur Shift. Et vous allez faire 35 degrés. Ouais, 30. Oui, j'oubliais par contre, juste avant, vous aviez fait copier-coller hein, pour doubler l'antenne. Donc voilà. Ensuite, ouais, 30 degrés, c'est pas mal. Enfin, il me semble que je mets à 30 là. Donc ensuite, vous prenez votre outil de déplacement, vous déplacez son antenne, parce que ce soit à peu près centré. Hein. Je fais ça vite fait parce que je suis encore bloqué aux 15 minutes sur YouTube. Désolé, je bois un petit coup. Donc voilà, vous faites pareil pour la deuxième. Vous mettez vos 35 degrés, enfin vos 30 degrés, pardon. Et vous l'ajustez à peu près pareil. Donc ça, après, c'est vous qui voyez. Bon, là, je vois que j'ai mis la deuxième un peu plus haute. Voilà, je la règle. Mais après, voilà. Moi, je passe vite fait parce que j'ai pas beaucoup de temps sur YouTube. Mais sinon, il y a moyen de faire un joli truc. Donc voilà, vous avez vos deux antennes. Vous avez votre bonhomme Android qui commence à ressembler à quelque chose. Et là, donc, vous allez mettre... les capsules dans votre objet neutre pour pouvoir carrément tout déplacer. Je vais pas tarder à le faire. Voilà. Donc, en attendant, je règle ceci. Ah, ouais, pardon, on fait les yeux. Donc, ce que je vous conseille pour faire les yeux, bah, ouais, je suis désolée, c'est mon premier tuto. Donc, pour faire les yeux, vous prenez le pied du côté de l'œil que vous voulez faire, vous le montez. Alors là, par contre, chose très importante, c'est que, en fait, va falloir faire très attention au niveau des yeux parce que justement, eh ben, il va y avoir un petit problème. Le truc, c'est que si la capsule de l'œil n'est pas assez inclinée, vous allez avoir un bonhomme Android qui a des dents. Donc c'est pas, ouais, deux petites dents. Donc c'est pas super en fait le truc. Donc ce qu'il faut faire, c'est assez bien l'incliner pour ne pas avoir. Oula, putain, j'ai vraiment des gros bugs là. Écoutez les amis, je ne comprends pas ce qui se passe. Donc là en fait, donc j'ai fait mon premier œil, mon deuxième œil, j'ai créé une texture verte donc pour le bonhomme Android. J'ai mis toutes les capsules sauf les yeux dans l'objet neutre. J'ai mis de la couleur blanche pour les yeux et je glisse donc mes deux dernières capsules dans l'objet neutre de manière à pouvoir déplacer donc tout votre bonhomme Android, y compris les yeux, la tête, les bras. Donc là, franchement, je suis désolée, je suis débordée. Là, je ne comprends pas ce qui se passe. Frappe, ça a dû avoir quelques petits problèmes parce qu'il m'a sauté des endroits en fait. Je ne peux rien faire au montage parce que c'est des éléments qui n'ont pas été pris en vidéo. Donc voilà, donc là, après, à vous de finaliser. Hein. Moi, je vais faire un petit texte comme j'aime bien. Voilà, donc je vais écrire Android hein, avec une police que j'affectionne particulièrement qui est Big Maca. Voilà, donc après vous mettez la police que vous voulez, vous pouvez très bien mettre votre pseudo, vous pouvez même très bien faire une animation avec le bonhomme Android. Vous pouvez encore. Bref, il y a beaucoup de possibilités. Donc aujourd'hui, le tutoriel c'était juste faire le petit bonhomme Android. Donc je suis vraiment désolé en fait si vous vous êtes perdu pendant le tuto parce que
Ouais, je ne comprends pas. Je regarderai si ça bug encore, Fraps. Parce que là, ça m'inquiète. Acheter un logiciel pour rien. Donc voilà. Donc vous avez votre bonhomme Android qui ressemble à quelque chose. Ensuite, si vous voulez le déplacer, bah, vous le déplacez. Maintenant que vous avez votre objet neutre. Pour ça, bah, vous prenez votre objet neutre et vous le déplacez. Donc là, je vais faire un peu de couleur. Hein, voilà. Hein. Bon, on n'est pas ça. On n'est pas là pour ça spécialement, voilà. Un peu de bleu, ça fait pas de mal. Ça va même pas trop avec le vert, mais c'est pas grave, c'est pas. Ce n'est pas ça le tutoriel. Donc voilà, vous avez appris à faire votre bonhomme Android. Donc voilà. Bah écoutez, je vous laisse regarder la fin de cette vidéo et je vous dis. Ciao, bye bye et à la prochaine pour un nouveau tutoriel, donc sur Cinema 4D. Ciao, bye bye et à la prochaine!